Hey boy. Yeah. America. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation rapide d'une réplique qui devrait arriver dans vos shops aux alentours du mois de mars à un prix public conseillé de 499 €. 499 €? Et oui, Maryse! La toute nouvelle RK104 de chez Guégué. Et avant toute chose, je remercie toute l'équipe de Sport Attitude qui m'a prêté cette réplique le temps que je vous la présente. Si vous êtes un shop et que vous avez envie de Guégué, bah vous pouvez contacter Sport Attitude. Hein. Alors qu'est-ce qu'on aura dans la boîte pour 499 €? Une t-shirt de nettoyage. Ouh. Ouh. Elle est belle. Et voilà. Non, c'est pas tout, bien sûr. Et un petit sachet de billes. Voilà. Comme ça, vous pourrez tirer direct en sortie de boîte. Enfin, si vous avez une batterie chez vous. Parce qu'il n'y a pas de batterie dans la boîte, hein. C'est pas un combo. Un outil qui va vous permettre de régler... Il y a la hauteur du cran de mire. On ne voit rien, je vais le sortir du sachet. Voilà. Un chargeur, chargeur iCap. Hop. 450 billes, je suppose, hein, comme la plupart des chargeurs d'ACAR, on va molter ici. Chargeur donc type 762, oui on est sur une RK104, donc AK104. 762. La courbure correspond. Ils ont mis un petit chargeur en polymère, bon bah c'est bien, hein. Ça fait un petit peu look moderne. Et bien sûr le manuel, toujours un manuel. Hein. Il est épais et il est exclusivement en français. Là, vous aurez un éclaté également, et puis comment opérer le hop-up et toutes ces choses-là. C'est le manuel générique des RK, donc de la série des AK de Guégué. Donc il y a tous les types là-dedans, hein. Il y a celle comme on avait vu avec Balbuzard. Ici, vous vous souvenez, la chouette AKM avec la batterie qui est située dans le garde-main. Donc ne vous en faites pas, s'il y a des choses dans le manuel qui ne sont pas sur votre réplique et inversement, c'est normal, c'est le manuel générique, on vous l'a dit. Alors le tout vient dans une boîte. Une boîte qui est ici derrière moi, ou une boîte GG, donc c'est les boîtes ici de la gamme Top Tech, hein. Et le haut de gamme de chez Guégué, d'où le prix, hein, de 499 € pour cette réplique. Alors on voit, enfin non, on voit rien du tout, mais qu'il peut y avoir l'option blowback, non blowback, noir, tan, autre, combo spécial, kit combo et pas de combo. Alors nous c'est du pas de combo, pas de blowback et en tan. Je pense qu'on trouvera de moins en moins de répliques blowback chez Guégué parce que bah, ils se sont aperçus que ça n'apportait pas grand chose et puis c'était souvent source de panne et autres trucs qui se bloquent. Donc bah, écoutez, hein, c'est déjà bien qu'ils aient le réflexe quand un truc fonctionne pas et bien de l'arrêter et de faire autre chose. Et bien sûr dans la boîte il y aura la réplique, la voici, la voilà, réplique d'AK104, RK104. Alors il y avait déjà des RK104 chez Guégué, mais avec la classique cross polymère repliable sur le côté, voilà. Là on a une version un petit peu plus, comment dire, americanisée. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Enfin bref, il y a un tube de cross sur lequel vous pourrez mettre une cross de M4. Ici c'est une cross crane. Voilà, avec le talon aussi tan, c'est un mélange, voilà, on n'aime pas. Ils ont également mis une poignée ergonomique. Elle est relativement grosse, mais par contre elle est très très confortable. Hein. Là, moi j'aime. Un truc très chouette, c'est qu'ici vous aurez la possibilité d'attacher une sangle. Certes, ce n'est que pour le côté gauche pour l'instant, donc pour les droitiers. Mais franchement, même si vous êtes gaucher, ça va pas trop vous embêter, hein, je pense. Hop, ça nous a permis de voir qu'on avait le rail latéral ici pour mettre eh bien, les optiques russes style PKA. Ou alors des supports où vous aurez un rail supérieur et puis des fois des rails latéraux. Ça dépend des marques que vous allez choisir. Le sélecteur de tir donc en noir sur le corps tan.
trois positions. Hein. On peut remarquer que l'écran sont à moite-moite. Donc c'est pas très conforme au modèle RS. Mais le principal, on va dire, pour nous autres joueurs, c'est que ça fonctionne. D'après la doc que j'ai pu lire sur les AK-104 réels, de base, elle viendrait avec une hausse qui va de 0 à 500 mètres. Ici, ce n'est pas le cas, ils ont choisi de mettre un modèle qui va de 0 à 800 mètres. On s'en fout un petit peu parce que nous, ça serait plus de 0 à 50 mètres, je pense. Hein ? Ici, quelque chose qui ravira les fans de levier d'armement. Comme Monsieur Kansev qui adore jouer avec son levier d'armement. Ils ont mis un ensemble mobile relativement lourd là-dedans, c'est pas juste une petite tirette. Ce qui fait que quand vous allez l'actionner, ça claque bien. Et bien sûr, vous allez pouvoir accéder au réglage du hop-up ici. Voilà. Ni trop dur, ni trop mou. On continue d'aller vers l'avant de cette réplique avec un garde-main en polymère, équipé eh bien, de rails. Voilà. Rail inférieur, petit rail latéral et rail supérieur. Alors si vous voulez mettre un optique là-dessus, vous pouvez. Hein. Je trouve ça ridicule de mettre un néothèque ou un point rouge devant, mais écoutez... C'est juste une histoire de goût. Et là, on va pouvoir reconnaître l'avant typique des AK-104 avec le petit cache-flamme ici en trompette. Le fameux cran de mire que vous allez pouvoir régler. En hauteur. Niveau marquage, eh ben, pas grand chose. Hein. On a vu tout à l'heure, on a l'écran du sélecteur qui sont marqués. Et puis de l'autre côté, ici partiellement caché par le top cover, on va avoir un marquage 1974 avec le symbole de l'usine. Alors le top cover, parlons-en, on peut le virer. Voilà, top cover tan. Beige, pardon. Oui, parce que nous autres airsofters français, nous utilisons quand même les couleurs en anglais. Ce n'est pas beige, c'est tan. Et donc là, on peut voir l'ensemble mobile. Assez lourd. Est-ce qu'il se démonte? Oh là là, Link Chavez, il démonte. Donc voilà, ici, la tige avec le ressort de rappel. Eh ouais, c'est pas mal. Je trouve ça sympa, franchement, qu'ils aient reproduit... Eh bien, le vrai ensemble mobile du Naka. Bon, ça permet de jeter un petit œil aussi sur le haut de la gearbox et de voir que le bloc hop-up est en métal. Bon, par contre, du coup, la batterie, on va pas pouvoir la mettre sous le top cover. Alors, voyons voir. Ah, j'aime les AK. Même le démontage, il est classe. Je vais pouvoir remettre le top cover. Dis donc. Voilà. Ça, c'est un exemplaire, on va dire, échantillon qui m'a été fourni. Au niveau du puits de chargeur, vous avez une bande de caoutchouc qui va permettre un petit peu bah, de maintenir le chargeur et d'amortir sans doute. Voilà. Non, c'est pas mal. Hein ? Bon, faut aimer. Hein, c'est assez. Voilà, ça s'est réservé plus à. Tout ce qui est tenue contracteur ou décontracteur même, si vous êtes décontracté. Alors, est-ce que les chargeurs d'autres marques vont être compatibles? Ici, j'ai un chargeur Sima. Voilà, donc chargeur métallique Sima. Ça ne va pas passer, je pense, parce que vous avez une différence ici au niveau de l'épaisseur de l'ergo. Donc soit il faudra limer vos chargeurs, soit il faudra modifier la réplique. Peut-être que vous serez limité au chargeur GEG, en espérant qu'il y ait des mid-cap disponibles. Je parlais de la crosse tout à l'heure, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Eh bien c'est une crosse Crane, 6 positions. Comment je le sais? Eh bien tout simplement parce qu'ici, on va avoir eh bien, les chiffres. Voilà, qui sont notés sur le tube de crosse. On va l'enlever. Et la surprise, qu'est-ce qu'on découvre dans le tube de crosse? Oh, mazette. Attendez, je vais virer le talon déjà. Donc, comme sur la plupart des crosses Gouégoué, hein, qui sont équipées des crosses Train, on va avoir un talon de crosse
caoutchoutés qui risquent pas de se barrer en jeu, hein, à part s'il y a une patte qui casse. Hop, ici vous aurez l'emplacement pour mettre des batteries de bâton, avec la protection ensuite pour pas pincer les fils. Mais quelle surprise de découvrir, eh bien, un MOSFET dans ce tube de crosse. Ce qui voudrait dire qu'on a un module ETU à l'intérieur. Alors il y a une façon assez facile de le découvrir, c'est d'actionner eh bien, la queue de détente. Alors je ne sais pas si vous pourrez entendre, je me lève et je te bouscule. Il y a effectivement un ETU là-dedans. C'est pas mal s'ils commencent à généraliser ça sur toute leur réplique. Alors l'ETU, brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est un Electronic Trigger Unit, c'est-à-dire un module électronique de détente. Un micro-switch, tout simplement, qui va vous permettre de ne plus avoir de contacteur à palette. Vous savez, le truc qui arquait assez facilement. Et à la place, on va avoir un petit module électronique qui va être ensuite géré par un MOSFET. Et si c'est comme sur les autres modèles, vous aurez possibilité de faire un burst de 3. Alors on va essayer ça tout de suite. Branchons cela. Normalement, il y a quelque chose qui doit s'allumer. Oui, je l'ai vu. Bon, il y a une petite LED là, c'est impossible à voir à la caméra. Ou alors c'est très compliqué. Donc là, normalement, je suis en position semi. Donc sélecteur vers le bas. Ça, j'aime. C'est un peu plus réactif que le SRS que j'avais pu tester. Hein. On peut se mettre en full. Alors pour info, hein, je vous cache pas, c'est une batterie. Donc batterie Energy Airsoft. Tic-tic-tic. 11V 1, 1300 mAh. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une 7V 4. Mais bon, la MOSFET. Hein. Oh, j'aime bien. Franchement, allez, je vais quand même tester par acquis de conscience avec une 7V 4. Hop. Et ben c'est pas mal, même à la 7.4. Hein. Pas mal. Et donc, est-ce que si je me mets en semi et que j'attends 10 secondes, j'ai un burst? On va voir. Hop. Ça marche. Super. Je me remets en semi, je rattends 10 secondes. Je me remets en full. Et ben c'est super, on a les mêmes fonctions qu'on avait eh bien sur toute la gamme, soit les Predator, les SRS, SRXL, SRL, etc. Ça c'est pas mal et on a de l'électronique sur une AK. J'espère qu'ils sortiront toute la gamme avec les classiques bois, AKM, AKS74U, AKS74, etc. On a vraiment une course qui est très très petite. Là je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, j'arrive au contact, bim. Ça pèse son poids parce que bah, la gearbox est relativement lourde. Hein. On a un petit peu d'acier là-dessus. Voilà, le cache-flamme, le capot. Bon, il y a vraiment voilà, l'attache-sangle. Ici, le pontet. Le rail latéral également. C'est du Top Tech, c'est le haut de gamme de chez GEG. À l'intérieur, vous aurez un canon en laiton, pas un canon en alu. Le moteur et tout ce qu'il y a dans les entrailles, on découvrira ça lors de la review complète sur l'antre, le blog. Je remercie une fois de plus toute l'équipe de Sport Attitude pour le prêt de cette réplique. Et puis, bah, surveillez bien vos shops parce qu'à partir du mois de mars, hein, ça devrait débarquer ça. D'ici là, je vous souhaite de bonnes parties sur le terrain, jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux et je vous dis à bientôt dans l'antre du Dingo. Bises. Thank you.
chiant cette chaudière. C'est très chiant. C'est très très chiant, c'est très long, hein. Oh, si c'est long.